on peut faire du petit bois minute à la main avec du vieux bois. Et là c'est du bois de bouleau, comme ça c'est du bois blanc avec des fibres assez marquées. Et après 2 ans de séchage, les champignons ont fait leur boulot. C'est-à-dire le bois est censé sentir le champignon, il devient tout léger. Et toutes les larves qui vivent dans le bois ont fait leur galerie, ça fait de la petite poudre qui va servir aussi à allumer le feu ou à mettre dans le compost. Et normalement toutes les larves sont déjà sorties. Il n'y a plus d'insectes ni de larves qui vivent dans ce bois. Comme ça, on préserve la biodiversité. Et puis ce bois, il est devenu tout friable, tout léger, et ils seront à la main. Et à partir de là, on va pouvoir faire plein de petits bois et obtenir à la main tout un tas de petits bois en 1 minute.